Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas je vais très très bien et oui des bonnes nouvelles. Donc nouvelle introduction, nouvelle vidéo, une nouvelle série que je vais essayer d'attaquer aujourd'hui. Je vais donc continuer bien sûr, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 il me semble, donc du web design. Non je suis super content, donc je tiens quand même à vous préciser que à partir de la semaine prochaine peut-être ma régularité au niveau des vidéos sera peut-être un peu perturbé. Peut-être, je dis bien peut-être, pour plusieurs raisons. Je préfère vous le dire dans cette vidéo-là. Pour la simple raison que j'ai réussi à trouver du travail. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est un peu ironique dit comme ça, mais je suis allé à Pôle emploi et c'est Pôle emploi eux-mêmes en fait qui m'ont embauché. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc, pour le moment, comme j'ai dit, en fait, je travaille tout simplement pour pouvoir par la suite financer mes études. Justement, bref, c'est pas de travailler à Pôle emploi, loin de là, même si je respecte totalement ceux qui y travaillent. Hein. Mon objectif, en tout cas, voilà, c'est pas ça. Ensuite, ce qui fait que je vais bien sûr pouvoir me mettre au sport. Et oui, enfin le sport, je vais pouvoir m'y remettre. Après pas mal de mois d'absence, dû au fait que donc, financièrement, je pouvais pas passer. Et oui, faire du sport, ça coûte un peu. Et je voulais pas non plus que ce soit ma mère qui dépense, qui je pense à mon âge est à peu près normal. Du coup, voilà, je vais pouvoir financer tout ça. Et du coup, je suis super content. Mais du coup, de par ces activités que je vais faire en plus, je serai peut-être justement plus limité par rapport à maintenant où j'ai tout mon temps pratiquement pour faire tout simplement les vidéos. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir ça. Il y aura peut-être voilà, quelques irrégularités ou peut-être, je sais, voilà. Hein, parce qu'en plus avec mon emploi du temps chez Pôle emploi, il sera justement pour le coup très irrégulier. Hein, c'est ça me l'ont dit. On ne pourra pas des horaires fixes. Par chance, justement, par contre, j'ai des horaires assez cool, mais je ne sais, des fois je travaille que le matin, des fois je travaille que l'après-midi, voilà. Des fois c'est toute la journée, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu irrégulier. Donc bref, donc ça vraiment c'était la petite parenthèse. Donc aussi, je suis super content parce que voilà, c'est ça que je me suis concentré à fond sur tout ce qui était mon compte Twitter et tout ça. Je suis d'ailleurs plutôt content pour le moment là pour le coup parce qu'à présent j'étais pas trop content de ma bannière ni de mon logo. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez, je dis pas que c'est extraordinaire, hein, loin, loin, loin de là. Peut-être qu'à un moment ça rechangera, mais déjà là je suis quand même pour le moment très content de ce que j'ai fait. Et voilà, donc encore une petite précision, mes services sont payants pour ceux qui demandent à chaque fois est-ce qu'il est gratuit. Non, je ne suis pas gratuit. Donc j'ai 40 abonnés pour 57 abonnements, 91 M. Et au niveau de la chaîne YouTube, donc on est 14. Hein, c'est pas énorme, 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 c'est pas un truc de fou, mais on est 14 abonnés. Ouais, déjà, ça me fait quand même plaisir. C'est toujours ça. Ensuite. Donc la nouvelle introduction aussi, hein, donc je suis très 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 content aussi. Passer avec l'ancienne, et voilà quoi, hein, c'est qu'elle était, elle, finalement elle était pas très top, la musique, finalement je préférais un truc, en fait ça correspondait pas en fait pour moi, ça me correspondait pas à moi je trouve finalement de mettre une musique aussi comme ça, j'ai préféré rendre justement quelque chose, je sais pas, pour moi le design c'est quelque chose de calme et tout, du coup j'ai, ouais j'ai mis une petite musique calme. Une petite animation calme, simple, simple, je vais pas vous mentir, simple, mais au moins voilà, c'est juste pour de toute façon une intro, je voulais pas non plus par rapport à là, je crois que tu as 30 secondes hein, quand même, hein. 30 secondes, celle-ci là elle dure 11 secondes, voilà. Hein, c'est marqué 11 secondes, et du coup, voilà, bon, il y a déjà 8 vues en 16 heures, je suis toujours content de tout ça, ça fait plaisir, donc cette nouvelle bannière aussi que j'ai fait sur YouTube, que j'aime bien aussi, franchement, j'aime beaucoup cette bannière, je la trouve plutôt sympa. Alors, encore une fois, comme pour la bannière Twitter, j'ai peut-être la changer, mais voilà. Bon, en tout cas, maintenant, je vous remercie d'avoir regardé un petit peu cette petite intro et vous dis tout de suite pour la vidéo. Allez, salut tout le monde. Et voilà, c'est bon, donc on y est. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les choses importantes, on va dire. Donc, on va attaquer la maquette. Donc, je vais vous remontrer un peu où on en était la dernière fois. Voilà, on était là. Voilà, on en était à notre équipe. On avait fait les trois membres de l'équipe en question, donc deux femmes et un homme, avec les réseaux sociaux sur lesquels on peut cliquer pour aller sur les réseaux sociaux de chacun.
Bah maintenant, on va s'occuper des services. Voilà. On le présentera comme ça, parce qu'ils ont fait une présentation un petit peu comme ça. Mais de toute façon, c'est ce que j'avais pris, je crois, pour l'équipe. Ah, mais en fait, ils ont fait d'accord. Ok. Ok. Ok, d'accord. Donc, tout simplement, là, je vais faire pour les services. Donc, on va dire qu'il y a quatre services, hein, comme là. Hein. Les services qui se sont proposés. Alors, honnêtement, je pense que je vais peut-être mettre des services. Je veux dire, je vais mettre du Loramitsu pour chaque titre de service. Je n'ai pas embêté à réfléchir un peu à ça. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Mais aussi, parce que je vais quand même avancer un peu plus vite. Aujourd'hui, on va vraiment, j'aimerais bien qu'on finalise. Presque. En tout cas, oui, on va vraiment finaliser la maquette. Voilà, une fois qu'on aura fait les services proposés, on fera tout simplement, tout simplement, je vais y arriver, une galerie photo. Voilà, tout simplement, une simple galerie photo, rien de bien compliqué en soi. Au codage, j'essaierai peut-être de faire une lightbox, mais ça, je vous le promets pas, parce qu'encore une fois, je crois, ouais, c'est du JavaScript, il me semble. Vu que c'est pour les débutants, j'en ferai peut-être pas. Je verrai si, il faut que je retravaille ça pour voir si c'est si compliqué que ça, il me semble pas, mais il faut quand même que je vérifie ça. Bref, c'est pas la question, donc pour le moment, donc on fera peut-être une petite galerie, peut-être comme ça, je sais pas, je verrai. Donc voilà, donc aujourd'hui ça, et on finira par un footer. Alors le footer, moi je vais le faire comme sur mon CD, je vais le faire de façon très simple. Parce que franchement, j'ai utilisé parole de mon formateur que j'avais eu. Les footers par moment, en tout cas maintenant justement c'est un peu mieux, mais à un moment c'était vraiment la corbeille à poubelle, c'est-à-dire qu'on y mettait tout et n'importe quoi. Moi justement je préfère pas vous habituer à ça. On va faire juste un simple footer, ce sera une barre, voilà, tout simplement, où il y aura marqué. Alors pour un vrai site, des fois il y aura les mentions légales, nous on va juste marquer le copyright. Et c'est tout. C'est tout. Je vais pas monter plus que ça, c'est vraiment juste pour respecter la vraie structure d'un site. Mais je vais pas faire un truc de fou au niveau du footer. Voilà. Donc on aura ces trois parties aujourd'hui. Pas très long, donc voilà. Donc, on va reprendre. Bon, prenez vous ce que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre celui-là si vous avez envie. Moi, je vais prendre celui-ci. Donc, comment ça marche? On a encore une fois le titre. Hein. C'est un peu préparé que celui-là en fait. Hein. Encore un petit peu de texte. Quatre choses, donc quatre petits cercles avec une icône ou une image si on a envie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, comme pour les tristes, hein. Une couleur différente avec une petite icône dedans, le titre et le petit paragraphe descriptif. Voilà. Donc on va s'occuper de ça. Voilà. On va agrandir, on va être obligé. Voilà. Donc on va laisser Photoshop travailler. Pense qu'il est ralenti parce que vraiment, je reconnais que ça sera aussi l'un de mes achats, un de mes premiers achats. Ça sera tout simplement un PC un peu plus performant. Parce qu'il faut quand même savoir que je fais tout ça sous un ordinateur portable. Je ne fais pas ça sous une tour fixe avec, je dirais, des barres de RAM de fou et tout ça. Donc quand je mets plusieurs logiciels, tout ça, là il y a Photoshop, il y a Camtasia, donc avec lequel je filme. Il en faut peu vraiment, je vais pas vous mentionner, il en faut très peu pour qu'il soit ralenti. Voilà. D'ailleurs After Effects c'est très 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 long. Mais vraiment quand vous dites long, c'est très long. Sur la vidéo coup de cœur, le fond animé de ça, je crois que ça l'avait fait pour 5 minutes. J'ai dû, pour avoir le rendu, j'ai dû attendre 8 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 heures. Hein. C'est un truc de fou, bref, c'est pas le sujet. Donc notre petite repère, avec le fond, on va venir agrandir le tout. Voilà. Ça, on va le masquer. Donc maintenant on peut enlever les repères inutiles. Vous savez quoi? Afficher, fenêtre. Affichage, fenêtre, efface. Affichage, pardon, et effacer les repères. Voilà, tout simplement, on va revenir faire apparaître ceci. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à tout enlever un par un. Voilà. Donc on est bien.
Donc ce qu'on va peut-être faire quand même, pour bien séparer chaque section, c'est qu'on va aller prendre l'outil trait. On va prendre une épaisseur de 3. Et on va venir prendre juste du noir pour le moment. Voilà. Et on va venir faire un trait. Tout simplement. Peut-être le remonter un peu. Et on va venir baisser son opacité. Ouais, on va la baisser à 10. Voilà. Ça sera donc séparateur. Je vais le mettre du coup ici, comme ça on comprendra bien que c'est entre ça et ça. Mais ce qu'on va faire, c'est que j'ai dupliqué par contre, vu que merde. Donc CTRL J pour dupliquer. On va le placer en haut et ça sera les services. Voilà. Oula. Voilà. Ben, c'est pratiquement pareil. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Le débit est pratiquement identique. Donc, c'est juste en fait les personnes qu'on va enlever. Voilà. On va venir bien sûr changer nos équipes par... notre équipe par nos services, hein, tout simplement. Voilà. Je vais être sûr de bien être au centre, donc... voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça au centre, hein, c'est vous. CTRL T sur le fond, pour donc ça va faire la sélection. CTRL enfoncé, hein. Clic gauche sur le petit icône pour... mettre la sélection en apparence, vous restez bien sur nos services, vous faites V et ici la petite icône pour vous mettre bien au milieu, alignant, voilà, aligner les centres dans le sens horizontal. CTRL D pour désélectionner, voilà, donc maintenant il va falloir essayer de s'organiser à peu près bien, j'essaie de faire comme ça. Donc déjà vous allez faire une sélection, on va réutiliser en fait guide. Voilà. Guide, voilà, on va faire ça sous forme qui est deux choses. Alors, faut qu'il y ait deux cellules. Donc c'est normal que guide charge un petit peu, ça c'est tout à fait normal par contre. Alors, voilà, c'est ça, il en faut deux. Alors encore une fois, on va mettre un 20 et un 20 et en séparateur. On va mettre 20. Voilà, on va voir ce que ça fait. Créer la grille. Tu me la crées la grille là, s'il te plaît? Ah, voilà. Ouais, je pense que ça peut le faire comme ça. C'est bon. Donc. What? J'ai fait quoi là? D'accord, on va recréer la grille. Voilà. Donc on va créer encore un nouveau dossier. On va l'appeler service 1. Voilà. On va créer un nouveau calque. Et donc on va venir faire plat de petits cercles. Donc pour le moment on va juste les mettre d'une couleur assez... on s'en fout pour le moment. Assez voyante quand même. Ouais, faut pas non plus que ça soit trop gros par rapport à ce d'en haut. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut mettre juste 100, ce sera très bien. Voilà. Donc, restez majeur enfoncé pour garder, faire un très joli cercle, un cercle parfait. Voilà. Donc. Voilà, on va venir descendre ça tout simplement. Donc là on est bien, c'est parfait. Donc comment c'était, je pense que j'avais un titre et ensuite voilà, c'est comme ça. D'accord. Ça vient pas trop ce côté où c'est. Ouais.
je réfléchis au code aussi en même temps, donc c'est genre un truc comme ça, bon, on verra bien, j'essaie de faire comme eux au codage, au pire on modifiera, c'est pas ça que je vais faire, on modifiera s'il faut. Donc là il nous faut donc un texte, juste je me rappelle plus des polices, donc ça c'était du dossier régulier, d'accord. Ça, on va changer un peu les styles, je ne veux plus que ce soit comme ça. Ah, je veux que ce soit en gras par contre. Enfin en faux gras. Justement, je ne l'ai pas en bold ça par hasard. Voilà, en semi-bold. Donc ou bien ça on va baisser, on va se mettre à 100%, si possible. Voilà, on va baisser la taille. Service 1, voilà. On va retourner sur Internet et on va prendre du Lorem Ipsum, tout simplement. S'il va bien. Des fois, ça me fait ça. Ça met longtemps à charger, je sais pas pourquoi. C'est parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Donc on va prendre du texte généré aléatoirement. Alors là par contre c'était... Ah mince, t'as dû le rappeler en plus. Truc 100. Open 100, voilà, c'est ça. Open 100. Open 100. Open 100. Il est où là? Ah, Open 100 régulier. Voilà, donc on mettra au moins du coup 15. Allez, 18, si on veut. Voilà. Donc on va s'arrêter ici. Voilà. Donc le service, on va descendre un petit peu. Merci. Et encore, vous voyez, même le cercle, il est encore trop gros. Hein. Faut vraiment que ce soit un petit cercle. Donc 70. Donc, voilà. On va rester comme ça. Quoique... ça me dérange quand même. Ça, j'ai au moins enlevé ça. Voilà. Là, on est bien. Donc, il ne manque plus qu'un petit icône. Donc, comme la dernière fois, on va simplement aller sur FreePic. Ouais, ça me l'a pris. Sur FreePic, tout simplement.
Si ça avait bien chargé encore une fois, je comprends pas pourquoi ça me fait ça des fois, c'est hallucinant quoi. Free pick, et prendre juste donc c'était 4 icônes, je crois, ça. On va prendre 4 icônes noires, là je vais vraiment prendre au hasard. Parce que j'ai vraiment à prendre du tout, du n'importe quoi. Alors, je vais mettre nuage. Ça va bien déjà. Voilà, nuage. Donc comme la dernière fois, rappelez-vous, sur les icônes, quand vous les téléchargez, prenez bien la version SVG et la version PNG. Téléchargement. C'est bizarre ça. Bref. Le SVG. Le PNG. Et nous, le PNG, on va le mettre ici. On va venir le placer donc au centre. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est que maintenant on va dupliquer tout ça et on changera juste la petite icône et le petit titre, c'est tout. Voilà. Ça c'est bon. Et donc on va le dupliquer. On va l'appeler service 2. Et ici, service 3. Voilà, tout simplement. Donc là, on a nos services et tout ça. C'est tout bien, tout beau. Donc je vous dis, on va juste pour le moment changer déjà en premier lieu les couleurs. Donc on va mettre sur l'ellipse. Vous avez bien sûr l'outil ellipse. Et ici, voilà, en fond, vous venez changer donc la couleur. Donc moi, je vais mettre ça. Qu'on fasse depuis là-haut. Voilà, on va faire ça. Alors chose que je n'ai pas bien faite non plus, c'est à vrai dire, c'est vous sélectionnez le nuage dans mon cas, hein, donc votre icône et l'ellipse, vous faites V et vous venez tout mettre voilà, au milieu. Ça qui était peut-être pas bien centré d'ailleurs. C'est vrai que au niveau du milieu. Au niveau de la hauteur, vous voyez qu'il soit bien placé au niveau vertical. Je trouve moi honnêtement, que, je sais pas si c'est dû à moi ou quoi, mais je trouve qu'il passe pas bien au centre en fait en général, donc je le fais moi-même manuellement. Par contre, le centre horizontal, ça il le fait bien. Voilà, là pour moi on est au centre. Il a une tendance à le faire un peu trop bas, je trouve. Pour le service 2, on continue. Donc, on s'occupe pour le moment juste de la couleur. Voilà.
ce jeu n'était trop fun. Ouais, pas de même celui-là, celui-ci. Et ici, on a les mettre. Bah, c'est bien, on est bien là. C'est parfait. Donc on n'a même pas à mettre des couleurs, je pense pas que je vais remettre encore une couleur de ça parce que ça ferait trop encore une fois. Ce que je vais peut-être par contre faire, c'est de descendre un petit peu le service. J'ai l'impression qu'il est un peu haut. Non, oui. Bon, ça au pire, je verrai encore une fois au code, c'est pas important. J'irai bien au code comment ça rendra. Je vais regarder de toute façon. À 100%, bon, ça, non, en fait, non. Non, c'est bien en fait. Non, non. C'est très bien. Bah vous savez quoi, j'ai même pas changé les icônes parce que j'ai pas m'embêter à faire ça. Ouais non si on va quand même si, on va quand même le faire, on va quand même le faire, j'essaie quand même de faire ça proprement, donc je vais juste aller chercher d'autres icônes. Grosse par rapport là c'est pareil, je vais voir là vous voyez c'est pas ouais, on va laisser comme ça c'est bien, on paraît grosse par contre hein. C'est je sais pas où mais bref donc là on a fait les services, donc on va fermer tout ça, on va dupliquer le séparateur, donc on va venir placer là haut et on va venir tout simplement le placer pareil encore une fois pour bien séparer chaque section. Ça donne, voilà, pour le moment on a ça, c'est pas un truc de fou comme je vous l'ai dit mais ça peut quand même avoir de la gueule, ça commence à avoir petit à petit un peu de gueule, donc voilà, on va finir donc par la galerie. Or par contre je sais plus, attends, ils ont mis combien d'images, je sais pas, j'ai m'amusé à en prendre autant parce que ça va me hein. Concrètement donc pas de... ah mais ça c'est des portfolios qu'ils ont fait, d'accord, c'est pas des galeries hein, à proprement parler, portfolio c'est autre chose, ils n'ont pas fait de non non d'accord ok D'accord, là ils vous font une petite présentation de footer. Ah il est fou. C'est pas mal si c'est footer. Hein. On fera peut-être un footer comme ça. Ouais. Peut-être qu'on fera un petit truc comme ça. Finalement pour le footer. Je vous expliquerai pourquoi. Bref, c'est pas là. C'est pas... Donc qu'on va faire, c'est on va faire. Je vais faire la galerie, simplement. J'ai improvisé.
Donc encore une fois, en fait, d'ailleurs, voilà, je vais dupliquer le tout. Je vais mettre couleur bleue. Les services, bien sûr, on s'en fiche. Et ça, on va venir. Bah, ça c'est ce petit blémage que je trouve, c'est que je trouve que ça en fait, voilà. Peut-être le remonter, je trouve, par rapport au séparateur, voilà. Voilà. Bon, ça t'as son code, on pourra toujours les placer. Voilà. Donc là, on va modifier le titre. Ça sera notre galerie ou la galerie photo. Moi, je vais mettre la galerie. Ça va encore me le faire. Ça va encore me le faire. Excusez-moi, mais alors, galerie, vous voyez, c'est, je sais pas. C'est un mot. Des fois, j'écris avec deux L. Je sais pas. Bref, on s'en fout aussi. C'est des petits doutes comme ça que j'ai par moment. Donc la galerie. Et là, donc, on va s'amuser à mettre toutes les photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie que ce soit une galerie assez sympathique. On va mettre 8 photos. 8 photos au total. Vous allez voir comment je vais m'occuper de tout ça. On vient prendre la sélection. Donc là pour le moment, ouais, on va faire comme ça. Donc là on va s'occuper de cette première rangée justement. On va aller donc sur guide. On va faire qu'il y en ait 4. Tout ça on enlève. Voilà, on vit juste qu'il y ait 4 choses. Voilà, c'est magnifique, c'est parfait. C'est très bien fait. On va venir mettre un repère ici. On va venir prendre l'outil sélection. Touche maj enfoncée pour faire un carré parfait. Parce qu'on veut que nos photos soient des carrés. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, ça va être très très simple. Déjà, je vais m'occuper. Donc, je vais faire première ligne. Voilà. Première ligne. C'est la première ligne. On va faire juste des carrés. Hein, juste des carrés de ces, voilà, de couleurs que vous avez. Vous allez alterner avec les couleurs, tout simplement. Vous verrez pourquoi. Alors, on vient créer un nouveau calque. On remplit. On vient créer un nouveau calque. On remplit. Voilà, vous avez compris, je vais pas me répéter 30 000 fois. Juste faire ça. Voilà. Ah, j'ai oublié un petit pixel. J'ai oublié un petit pixel. Non, c'est pas vrai. Là. Ah non, je l'ai pas, hein, toujours pas. Pourquoi je l'ai pas? Alors on voit bien qu'il le prend pas, je sais pas pourquoi. On va voir ça. Bon. Petit pixel, t'es en train de me saouler là. Pas si tu te rends compte. Voilà.
Donc on va quand même faire, est-ce que ça, il y a quand même ce petit pixel qui se rajoute. Donc au codage, je pense que ça se fera aussi. J'irai bien, on se débrouillera aussi pour le codage. C'est pas embêtant. Un petit peu, mais c'est pas si embêtant que ça. Donc là, on est bon. On va venir sélectionner le tout. CTRL-J. Avec le bouton V, on va venir les descendre tout simplement en bas. Excusez-moi. CTRL-T. Axe oriental. Et voilà. Ici, vous voyez qu'il manque ce petit pixel tout petit. C'est embêtant ça quand même. C'est ce petit pixel qui sera ajouté là, c'est pas bon. J'ai un peu triché, mais concrètement. Ouais, pourquoi tu ne supprimes pas? Quoique, je préfère, on sait qu'on va rester finalement comme ça. Crois que c'était. Voilà. On va rester comme ça. On aura juste un petit souci sur cette image-là, mais j'irai bien. J'essaie de me débrouiller. Au codage, on essaiera de se débrouiller. Bref. Donc, ça. Ce qu'on va faire, c'est image 1. Image 2. Pensez à bien renommer vos calques. C'est important parce que si jamais vous donnez le PSD à quelqu'un. Pour vous, ce sera peut-être clair, mais pour lui, ce sera pas du tout clair. C'est possible que ça le soit, hein, mais pas obligatoirement. Et puis même, ça lui permet de comprendre directement et de pas passer 30 ans à comprendre à quoi correspond quoi. Et là, image 8. Voilà. Mais maintenant, il faudra aller chercher 8 images de petits chiens. Ça va être génial. Abeille quoi, ouais, c'est-à-dire avec un i, d'accord. Habilité, là, j'aurais pu y aller directement. Bref, c'est pas important. Et on va aller chercher donc plus d'images de chiens. Alors là, pour le coup, peu importe la taille, on s'en fout. Vraiment, c'est pas comme pour l'équipe. On s'en fout, on va prendre 8 images comme ça au hasard. Donc, ce sera quand même un peu plus rapide. D'ailleurs, on va se mettre sur le fichier image. Et on va mettre chat. Voilà. Tout simplement. Oula. Ok. Bon, encore une fois, je vais rire de la tête de ces petits chiens. On va pas prendre taille de fou, de toute façon. Télécharger. On va essayer de garder quand même une certaine couleur. Voilà, on va prendre celui-là. On va pas prendre noir et blanc. On va quand même essayer de rester à peu près dans. Dans les temps, c'est-à-dire si on s'amuse à mettre tout en noir. Si on s'amuse à mettre des noirs et blancs, couleurs et tout ça.
J'ai vraiment pas envie de prendre ça, mais bon. Je suis tellement pressé que j'ai vraiment prendre tout et n'importe quoi. Cool, enfin. Enfin, ce gars va me payer. Putain. Ah, je vous jure, il y a des gens. C'est hallucinant, quoi. Sérieux quoi. Putain, t'as des trucs. Ouais, je vais prendre des millions parce que là, il y en avait deux qui étaient mignons, mais les derniers étaient vraiment horribles quoi. Je vais pas prendre non plus. Oh, j'adore cette race de chien. Moi en fait, j'adore les chiens. Sauf que bon, vous allez me dire c'est normal, hein. L'embêtant, bah, c'est que désolé, mais c'est que ça pue de la gueule quoi. C'est fou. Sinon, j'adorerais avoir un chien. S'il pue pas de la gueule. Et il y en avait une autre là qui était bien tout à l'heure. Ah, voilà. Et malheureusement aussi, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup aussi qui prennent des chiens mais qui s'en occupent mal ou quoi. Un chien, ça demande du temps. C'est pas comme un chat ou autre chose, ça demande énormément d'amour. Pas qu'un chat en demande pas, hein, mais un chien en particulier, ça, c'est limite comme nous, il a vraiment besoin d'amour et ça. Il a besoin de quelqu'un quoi. Et donc j'ai pas envie de prendre un chien pour que je laisse tout le temps enfermé dans la maison ou dans l'appartement. Et voilà tout simplement. Voilà, moi je veux dire, quitte à prendre un chien, je préfère en prendre un et le rendre heureux qu'en prendre un et le rendre malheureux quoi. C'est... Oh putain, my god. Il y a des chiens mais vraiment. Mais sinon voilà, franchement c'est super, je veux dire c'est super bien, je trouve, d'avoir ce genre d'animaux de compagnie, mais justement il faut bien s'en occuper quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, je passais à chaque fois devant une maison où il y avait un gros chien, je crois que c'était une race comme celle-ci là. Mais encore plus gros. Et il était tout le temps tout seul dans son verdin là où il mettait limite en cage. Hein. Moi c'est limite un chien en cage quoi. Oh, un chien ça a besoin de liberté aussi quoi. Ça me faisait trop de peine. Mais à chaque fois il était là-dedans, c'est pas possible pour moi. Oh, je vais prendre ça. Genre. C'est une tasse ou tout? Non, c'est pas une tasse. Non, ça doit être un peu jupeur. Je crois que c'était une tasse. Je vais dire putain, il est vachement petit quand même. Alors, j'ai jamais vu de chiot tout petit. J'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Autant des chats, oui, mais des. Enfin, des chatons, quoi. Mais des chiots, j'en ai jamais vu. Donc là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore une. Mais ouais, j'ai jamais eu de. Je trouve que c'est mignon. Hein. Bon, c'est comme les baby, hein, vous allez me dire, tout ce qui est bébé, c'était tellement mignon. Ouais, je prends tel. Voilà. Non, mais c'est vrai, regardez-moi ces pauvres bêtes, quoi. Il y en a certains qui les maltraitent et tout, je trouve ça dégueulasse. Non, mais ceux qui maltraitent les animaux, j'aimerais tellement qu'on puisse les torturer à notre tour. Ils méritent que ça, quoi. Mais reste même pas la prison, si on le torture pendant un bon petit moment et après on les libère. Donc on retourne sur Photoshop, excusez-moi un petit débat très intéressant. Donc vous venez tout simplement importer hein, vos photos, vous pouvez faire fichier importer. Voilà, alors ce qu'on va faire, vous amusez pas à tout redimensionner au pixel près et tout, ça, voilà. Mettez-le comme ça à peu près. Et après on va venir les lier. C'est en fait comme ce qu'on avait fait au début. Donc vous mettez entre les deux calques. Et voilà. Et clic. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas importé. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc on peut venir quand même redimensionner un petit peu le tout. On va venir le placer à peu près comme ça. Voilà. Ça c'est fait. On pousse sur l'image 2, on continue hein, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Tiens, il est tellement mignon lui. C'est un truc de fou. Voilà. On va venir le placer à peu près bien. On voit mieux un petit peu sa tête. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement mignon, c'est adorable. Voilà, celui-là.
Non, après, pour moi, c'est vrai que. Non, désolé, hein, c'est qu'il y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais maîtres. Hein, c'est. Mince. Attendez, je me suis gouré là par contre. Non. Non, j'ai rien dit en fait. C'est bon. Pour moi, ouais, il n'y a vraiment que des. Que des. Il n'y a que des mauvais maîtres, il n'y a pas de mauvais chiens. Ça, c'est une réalité, je suis sûr et certain. Oh là là, regardez-moi ça. Mais quel c'est beau! Oh, elle est super belle cette photo, n'empêche, un truc de fou. Cette émotion que ce chien rejette, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, mais c'est tellement magnifique, quoi. Ça va pas être la même. Hein. Il me fait moins d'effet celui-là. Par contre, pourquoi l'image est aussi petite? C'est pas normal, ça. Ça va être tout pixelisé, non? Pourquoi elle est aussi petite? Je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est normal. Alors, ça va. Assez bien. Ça va. C'est vrai qu'il me fait pas le même effet, lui. Hein. Mais bon, ça reste un chien. Il est tout gentil. Il y avait lui. Je sais pas pourquoi elles sont toutes petites comme ça. Bon. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Putain, lui aussi, il est mignon. C'est pas une race pourtant que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il est mignon aussi. Quand ils sont comme ça, ils sont mignons. Bah c'est juste que j'ai l'impression que leurs yeux à eux sont vraiment limite exorbités quoi. Mince. J'ai l'impression que ça va sortir quoi. Donc alors par contre eux les golden retrievers ou les labradors c'est foire, c'est oh. Cette race de chien c'est juste magnifique comme chien. Super gentil en plus ça c'est. Oui, non, je fais pas de la publicité pour l'adaptation des chiots, hein. C'est pas ça du tout. Ah, et là on retrouve une taille normale, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Bon, là elle est pas très belle cette photo, malheureusement, j'aurais peut-être pas dû la prendre, mais bon, on va pas non plus. Par contre, attends deux secondes. Ah oui, d'accord. Waouh, j'ai de la touffe. Alors là, tous les chauves vont envier ce chien, quoi. Il en a trop, lui. Bref, donc, contrôle H. Et voilà, ça nous fait notre petite galerie photo. Donc, il ne manque plus qu'à faire le footer. Et on aura fini cette vidéo. Donc, vous voyez qu'il manque encore un peu de place. Et on va regarder un petit peu la maquette. Au niveau des footers, je crois que c'était en bas, il me semble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement comme ici, c'est-à-dire le logo, et en fait on va remettre simplement la navigation. C'est tout simple, tout bête, mais c'est vrai que c'est sympa, surtout que nous, on va pas mettre notre navigation en fixe, c'est-à-dire qu'il va par exemple tout le temps être affiché à l'écran, en haut par exemple. On va la laisser là, et du coup, quand on va descendre, et ben on va se retrouver tout en bas. Il sera bien de pouvoir cliquer par exemple sur les liens, sur des liens qui nous permettent tout simplement d'aller sur les autres pages. Voilà, donc là c'est en train de se cuire. Donc c'est très rapide. Donc on va mettre le logo comme on avait fait au début. Voilà. Donc tout ça c'est bon. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler footer. En violet. Voilà, donc je pense pas qu'on ait besoin de. Voilà, on verra bien où on va le placer. Pour le moment, je vais le mettre tout ici. Il ne faut pas non plus une hauteur de fou. On va prendre une hauteur. Je déteste quand ça fait ça. Voilà. Donc on va faire ça et on va descendre d'un cran.
On va venir prendre notre petit gris ici. Et on va faire un footer de cette couleur, tout simplement. Voilà, c'est magnifique. Donc ici, on va remettre tout simplement l'icône, donc le logo qui était où, qui était où, était où, était où, était où. Bah, il est où? Parce que là, c'était ça. Ah oui, c'était ça. Tout simplement. Donc on va venir le dupliquer. Et on va venir le mettre dans le footer. On va mettre la couleur là. Voilà. Et ceci, on va venir le descendre. Oups. On va le grossir, quoique 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 peut-être pas, non, en fait c'est très bien comme ça. Et on va venir mettre la navigation tout simplement ici. Alors il y avait mince, du coup faut se remettre en blanc. Accueil 3, 4, 5. À propos, nos chiens, et enfin, c'était contact. Voilà, donc, mais sur cette navigation, on va la faire plus petite que ça. 30 du 25. Ah, okay. Du 30 quand même. Par rapport à ça, on va le mettre au milieu. Voilà, c'est parfait. Et on va mettre aussi tout simplement. Voilà. Donc ça, bien sûr, par contre, on va pas le mettre en majuscule comme ça. Tiens. On va mettre un petit tiret. Et ici, on va venir. Voilà, tout simplement. Donc ça, par contre, on va le placer au centre. Voilà. Donc, ça sera au centre. On a le logo. Voilà, on va quand même laisser comme ça. J'irai pour le collage. Ah, par contre, ce qu'on va faire, c'est ça finalement. Je vais encore le baisser. Ça me paraît trop gros là en fait. Encore, voilà, on va mettre 25. C'est très bien. Et ça en fait, c'est ça aussi qu'on va diminuer un peu. Ça me paraît trop gros. Voilà. Donc ça et ça par rapport à ça, je veux que ce soit touch. Voilà. Lui, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, on est bon. Là, vous voyez bien sûr que c'est beaucoup trop trop bas, donc on va simplement sélectionner tout le dossier.
et jusqu'à hauteur qui nous convienne. Ben voilà, je crois que c'est bon, hein. On va venir donc raccourcir tout ça. Vous faites valider. Et voilà, vous avez tout simplement fini la première partie du web design, c'est-à-dire la maquette qui est quand même assez importante. Donc voilà, donc on va vraiment attaquer donc sur le prochain épisode, on va attaquer le codage. On n'a pas encore totalement fini avec cette maquette, au sens qu'il faudra faire encore quelques petits trucs sur cette maquette. Pour faire simple, il faudra en fait enregistrer toutes les images qu'on a là, donc on n'en a pas beaucoup, hein. En soi, on n'en a pas énormément. Et faire en sorte tout simplement de les enregistrer pour le web, de les optimiser au maximum pour que le poids soit pas très très lourd, parce que plus un site justement, enfin un site, moins il est lourd, mieux c'est, c'est-à-dire le chargement se fera plus rapidement et c'est quelque chose d'important sur un site internet. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, je pense qu'on a fini donc la maquette design, vraiment la maquette en elle-même, on l'a vraiment fini. Donc c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même assez sympa, je suis quand même assez content du résultat. Donc voilà, tout simplement, donc c'était voilà. Je sais plus quoi dire maintenant. Donc voilà, on a fini tout simplement de vous dire, donc je suis content, j'espère bien sûr que cette maquette vous plaît à peu près. J'espère aussi que vous, vous avez fait peut-être un truc qui vous plaît à votre sauce, hein, tout simplement. Voilà, et je vous dis tout simplement à la prochaine pour le codage. Allez, salut tout le monde.